السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي على قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية. إليكم جواب الدرس السابق. Il est indiscret. Je ne peux pas lui confier un secret. Il est indiscret. Je ne peux pas lui confier un secret. أما بالنسبة لدرس اليوم أصدقائي سوف نراجع أهم الحوارات التي نحتاجها في حياتنا اليومية حتى لا أطيل عليكم لنبدأ. Le rhume. Le rhume. الزكام أو نزلة برد. Le rhume. Tu n'as pas l'air en forme aujourd'hui. Tu n'as pas l'air en forme aujourd'hui. أنت لا تبدين في حالة جيدة اليوم. Tu n'as pas l'air en forme aujourd'hui. Tu as raison. Je ne me sens pas bien du tout. Je suis malade. Tu as raison. Je ne me sens pas bien du tout. Je suis malade. أنت على حق. أنا لا أشعر بأني جيدة على الإطلاق. أنا مريضة. Tu as raison. Je ne me sens pas bien du tout. Je suis malade. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? ماذا حدث لك? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai mal à la tête, j'ai un rhume et je tousse. J'ai mal à la tête, j'ai un rhume et je tousse. أعاني من صداع الرأس لدي نزلة برد وأسعل. J'ai mal à la tête, j'ai un rhume et je tousse. Est-ce que tu as pris des comprimés? Est-ce que tu as pris des comprimés? هل تناولت أي أقراص? Est-ce que tu as pris des comprimés? Non. Je préfère aller voir le médecin. Non, je préfère aller voir le médecin. Là, أنا أفضل الذهاب لرؤية الطبيب. Non, je préfère aller voir le médecin. Il me donnera un traitement adapté. Il me donnera un traitement adapté. سيعطيني العلاج المناسب. Il me donnera un traitement adapté. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. لا تقلقي. كل شيء سيكون على ما يرام. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Je vais prendre un rendez-vous avec le médecin. Je vais prendre rendez-vous avec le médecin. سأخذ موعدا مع الطبيب. Je vais prendre rendez-vous avec le médecin. Oui, ce serait gentil de ta part. Oui, ce serait gentil de ta part. نعم هذا سيكون لطف منك. Oui, ce serait gentil de ta part. كنا قد رأينا سابقا كيف نأخذ موعدا مع الطبيب. سأترك لكم رابط الدرس في أسفل الفيديو. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? مرحبا. إذن ما الذي ليس على ما يرام؟ Bonjour. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis malade depuis hier. J'ai mal à la tête. Je suis malade depuis hier. J'ai mal à la tête. أنا مريضة منذ أمس. أحس بألم في رأسي. Je suis malade depuis hier. J'ai mal à la tête. J'ai extrêmement mal à la gorge.
et je suis enrhumé. J'ai extrêmement mal à la gorge et je suis enrhumé. أعاني من التهاب شديد في الحلق وأنا مصابة بالزكام. J'ai extrêmement mal à la gorge et je suis enrhumé. Est-ce que vous avez de la fièvre? Est-ce que vous avez de la fièvre? هل لديك حمى؟ Est-ce que vous avez de la fièvre? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Là, la أظن. Non, je ne crois pas. Quand vous avez mal à la tête. Quand vous avez mal à la tête. متى وأنت لديك صداع الرأس. Quand vous avez mal à la tête. Est-ce que la douleur est localisée sur le crâne ou sur le front? Est-ce que la douleur est localisée sur le crâne ou sur le front? هل الألم موضعي في الجمجمة أم على الجبين؟ الجبين أي الجبهة. Est-ce que la douleur est localisée sur le crâne ou sur le front? Plutôt sur le crâne. J'ai envie de vomir aussi. Plutôt sur le crâne. J'ai envie de vomir aussi. بل على الرأس أو على الجمجمة أريد أيضا التقيؤ. Plutôt sur le crâne. J'ai envie de vomir aussi. Est-ce que vous toussez? Est-ce que vous toussez? هل تسعلين؟ Est-ce que vous toussez? Oui, je tousse beaucoup. Oui, je tousse beaucoup. نعم، أسعل كثيرا. Oui, je tousse beaucoup. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? ماذا أكلتي الليلة الماضية؟ Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Hier, il y avait une fête chez mon ami. Et j'ai mangé beaucoup de frites et j'ai bu une boisson fraîche. Hier, il y avait une fête chez mon ami. Et j'ai mangé beaucoup de frites et j'ai bu une boisson fraîche. بالأمس كانت هناك حفلة في منزل صديقتي وتناولت الكثير من البطاطس المقلية وتناولت مشروبا باردا. Hier, il y avait une fête chez mon ami. Et j'ai mangé beaucoup de frites et j'ai bu une boisson fraîche. On va voir ça. Ouvrez la bouche. On va voir ça. Ouvrez la bouche. سنرى ذلك. افتحي فمك. On va voir ça. Ouvrez la bouche. Je ne vois rien d'anormal. Il ne semble pas y avoir d'inflammation. Je ne vois rien d'anormal. Il ne semble pas y avoir d'inflammation. لا أرى شيئا غير طبيعي ولا يبدو أن هناك أي التهاب. Je ne vois rien d'anormal. Il ne semble pas y avoir d'inflammation. Avez-vous également mal au ventre? Avez-vous également mal au ventre? هل تعانين أيضا من آلام أو آلام في البطن؟ Avez-vous également mal au ventre? Non, docteur. Non, docteur. La docteur. Non, docteur. Bon, vous avez un rhume. Vous prendrez des médicaments. Bon, vous avez un rhume. Vous prendrez des médicaments.
حسنا، لديك نزلة برد، ستأخذين الدواء. Bon, vous avez un rhume. Vous prendrez des médicaments. Un cachet d'aspirine trois fois par jour et une cuillère de sirop matin, midi et soir. Un cachet d'aspirine trois fois par jour et une cuillère de sirop matin, midi et soir. حبة أسبرين ثلاث مرات يوميا وملعقة شراب صباحا وظهرا ومساء. Un cachet d'aspirine trois fois par jour et une cuillère de sirop matin, midi et soir. Louer un appartement. Louer un appartement يعني استئجار أو كراء شقة. Louer un appartement. Bonjour monsieur, je vous téléphone à propos d'une annonce que j'ai vue dans le journal. Pouvez-vous me décrire un peu la maison que vous voulez louer? Bonjour monsieur, je vous téléphone à propos d'une annonce que j'ai vue dans le journal. Pouvez-vous me décrire un peu la maison que vous voulez louer? En arabe, مرحبا سيدي، أنا أتصل بك بخصوص إعلان رأيته في الجريدة. هل يمكنك أن تصف لي قليلا المنزل الذي تريد استئجاره؟ Bonjour monsieur. Je vous téléphone à propos d'une annonce que j'ai vue dans le journal. Pouvez-vous me décrire un peu la maison que vous voulez louer? Oui, c'est une jolie maison ancienne, avec un petit jardin. Il y a trois chambres, une salle de séjour, deux salles de bain avec WC et une cuisine. Oui, c'est une jolie maison ancienne, avec un petit jardin. Il y a trois chambres, une salle de séjour, deux salles de bain avec WC et une cuisine. نعم إنه منزل قديم جدا به حديقة صغيرة هناك ثلاث غرف نوم غرفة معيشة حمامين مع مرحاض ومطبخ Oui, c'est une jolie maison ancienne avec un petit jardin. Il y a trois chambres, une salle de séjour, deux salles de bain avec WC et une cuisine. La cuisine est équipée? La cuisine est équipée? هل المطبخ مجهز? La cuisine est équipée? Oui, il y a une cuisinière électrique et un réfrigérateur. Oui, il y a une cuisinière électrique et un réfrigérateur. نعم هناك فرن كهربائي وثلاجة. Oui, il y a une cuisinière électrique et un réfrigérateur. La maison fait combien de mètres carrés? La maison fait combien de mètres carrés? كم من متر مربع في المنزل? La maison fait combien de mètres carrés? Environ 90 mètres carrés. Environ 90 mètres carrés. حوالي 90 متر مربع. Environ 90 mètres carrés. Il y a un lave-linge. Il y a un lave-linge. هل يوجد هناك غسالة يعني غسالة الملابس؟ Il y a un lave-linge. Oui, il y en a un dans la cuisine. Oui, il y en a un dans la cuisine. نعم يوجد واحد في المطبخ. Oui, il y en a un
dans la cuisine. Quel est le prix du loyer par mois, s'il vous plaît? Quel est le prix du loyer par mois, s'il vous plaît? ما هو سعر الإيجار الشهري من فضلك؟ Quel est le prix du loyer par mois, s'il vous plaît? C'est 4000 dirhams par mois. Ce n'est pas trop pour cette maison. C'est 4000 dirhams par mois. Ce n'est pas trop pour cette maison. 4000 dirhams شهرياً. هذا ليس كثيراً على هذا المنزل. C'est 4000 dirhams par mois. Ce n'est pas trop pour cette maison. Cela me semble bon. Cela me semble bon. هذا يبدو جيدا لي. Cela me semble bon. Quand est-ce que je peux venir voir l'appartement? Quand est-ce que je peux venir voir l'appartement? متى يمكنني المجيء لرؤية الشقة؟ Quand est-ce que je peux venir voir l'appartement? Je serai libre demain. Quand pouvez-vous venir? Je serai libre demain. Quand pouvez-vous venir? سأكون متاحا غدا أي سأكون في المنزل. متى تستطيع القدوم أو المجيء إلي؟ Je serai libre demain. Quand pouvez-vous venir? D'accord, merci beaucoup. Je vous verrai demain. Au revoir et bonne journée. D'accord, merci beaucoup. Je vous verrai demain. Au revoir et bonne journée. حسنا شكرا جزيلا لك سأراك غدا إلى اللقاء أتمنى لك يوما سعيدا D'accord, merci beaucoup Je vous verrai demain Au revoir et bonne journée Avec un grand plaisir monsieur À demain Avec un grand plaisir monsieur À demain بكل سرور سيدي إلى الغد Avec un grand plaisir, monsieur. À demain. Le retour des courses. Le retour des courses, ça veut dire al-aouda min at-tasawwuq. Le retour des courses. Tu n'as pas pris de coquillettes. Tu n'as pas pris de coquillettes. En arabe, أنت لم تأخذي المعكرونة هذا هو النوع من المعكرونة صراحة لم أعرف الترجمة الحرفية لكوكيات إليكم الصورة فقط Tu n'as pas pris de coquillettes Non, il n'y en avait plus J'ai pris des spaghettis à la place Non, il n'y en avait plus J'ai pris des spaghettis à la place. Là, لم يعد هناك المزيد. أخذت معكرونة بدلا من ذلك. Non, il n'y en avait plus. J'ai pris des spaghettis à la place. Et la laitue? Et la laitue? و الخس أو ماذا عن الخس? Et la laitue? La laitue, elle est dedans. La laitue, elle est dedans. Al-khas, huwa bid-dakhil. La laitue, elle est dedans. Non, il y a un chou, mais il n'y a pas de laitue. Non, il y a un chou, mais il n'y a pas de laitue. Là, يوجد ملفوف ولكن لا يوجد خس.
Non, il y a un chou, mais il n'y a pas de laitue. Ce n'est pas une laitue, ça. Ce n'est pas une laitue, ça. إنه ليس خصا هذا. Ce n'est pas une laitue, ça. Tu ne sais pas faire la différence entre un chou et une laitue? Non, mais j'hallucine ou quoi? Tu ne sais pas faire la différence entre un chou et une laitue? Non, mais j'hallucine ou quoi? ألا تعرف كيف تفرق بين الملفوف والخص؟ لا، لكني أهذي. أم ماذا؟ Tu ne sais pas faire la différence entre un chou et une laitue? Non, mais j'hallucine ou quoi? C'est bon, ça va. Tout le monde peut se tromper. C'est bon, ça va. Tout le monde peut se tromper. هذا جيد لا بأس يمكن للجميع ارتكاب أخطاء أو يمكن للجميع أن يخطئ. C'est bon, ça va. Tout le monde peut se tromper. Et les steaks cachés, ils sont où? Et les steaks cachés, ils sont où? والشرائح المفرومة يعني شرائح اللحم أين هي؟ Et les steaks cachés, ils sont où? Les steaks. Ah, j'étais sûre que j'avais oublié quelque chose. Les steaks. Ah, j'étais sûre que j'avais oublié quelque chose. شرائح اللحم. كنت متأكدة من أنني نسيت شيئا ما. Les steaks. Ah, j'étais sûre que j'avais oublié quelque chose. C'est pas vrai. Tu le fais exprès ou quoi? Par contre, la crème de visage, tu ne l'as pas oubliée. C'est pas vrai. Tu le fais exprès ou quoi? Par contre, la crème de visage, tu ne l'as pas oubliée. هذا ليس صحيح. هل تفعلين ذلك عن قصد أم ماذا؟ من ناحية أخرى، كريم الوجه أنت لم تنسيه. C'est pas vrai. Tu le fais exprès ou quoi? Par contre, la crème de visage, tu ne l'as pas oubliée. C'est bon. Si tu n'es pas content, tu n'as qu'à aller faire toi-même tes courses. C'est bon. Si tu n'es pas content, tu n'as qu'à aller faire toi-même tes courses. هذا جيد. إذا لم تكن مسروراً أو لم تكن فرحاً فما عليك سوى القيام بالتسوق بنفسك. C'est bon, si tu n'es pas content, tu n'as qu'à aller faire toi-même tes courses. الآن أصدقائي قبل أن أمر لسؤال التميز أود أن أشير إلى فعل مهم رأيناه في حوار اليوم le verbe halluciner. Halluciner, c'est un verbe familier. فعل يستعمل في اللغة العامية. Ça veut dire rêver, éveiller. يعني أحلام اليقظة. عندما يحلم الشخص وهو مستيقظ. كذلك يعني faire rêver, أن يصنع أحلام. يمكن القول فقط أن هذا الفعل يعني يهلوس, يهذي, يحلم. مثلا Tu hallucines? Tu n'as pas le niveau pour faire cette école. Tu hallucines? Tu n'as pas le niveau pour faire cette école. En arabe, anta tuhalwis, laysa ladayka almustawa liwuluj hadhihi almadrasa. Tu hallucines? Tu n'as pas le niveau pour faire cette école. كذلك من هذا الفعل اشتق اسم hallucination. Hallucination يعني هلوسة. Hallucination يعني الشخص عندما يكون لديه هلوسات يتهيئ له الأشياء. Par exemple, nada a des hallucinations, elle croit toujours qu'on l'appelle. Nada a des hallucinations, elle croit toujours qu'on l'appelle. يعني Nada لديها هلوسات ما زالت تعتقد
أننا نناديها أو ننادي عليها. نادا a des hallucinations. Elle croit toujours qu'on l'appelle. ذلك رأينا الفعل se tromper, un verbe pronominal, فعل مركب, ça veut dire commettre une erreur, يعني عندما الشخص يخطئ أو يرتكب الأخطاء. كذلك رأينا كلمة exprès, c'est un adverbe, exprès يعني عن عمد أو عن قصد. Exprès. Le petit déjeuner. Le petit déjeuner. On peut dire le petit déjeuner. Bonjour maman. Bonjour maman. صباح الخير أمي. Bonjour maman. Bonjour ma chère. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Bonjour ma chère. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? En arabe, صباح الخير عزيزتي. ماذا تريدين في وجبة الفطور؟ يعني ماذا تريدين أن تأكلي؟ Bonjour ma chère. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Du thé ou du café? Du thé ou du café? Chai ou kahwa? Du thé ou du café? Je veux du thé. Je veux du thé. Uridu shayan ou uridu shay. Je veux du thé. Tu veux prendre du pain ou tu préfères des céréales? Tu veux prendre du pain ou tu préfères des céréales? هل تريدين خبز أم تفضلين الحبوب؟ Tu veux prendre du pain ou tu préfères des céréales? J'aime bien prendre du pain avec du beurre et de la confiture. J'aime bien prendre du pain avec du beurre et de la confiture. أحب كثيرا تناول الخبز بالزبدة والمربى. J'aime bien prendre du pain avec du beurre et de la confiture. Est-ce qu'il y a de la confiture de fraises? Est-ce qu'il y a de la confiture de fraises? هل يوجد مربى الفراولة؟ Est-ce qu'il y a de la confiture de fraises? Oui, il y a de la confiture de fraises et de la confiture de pommes. Oui, il y a de la confiture de fraises et de la confiture de pommes. نعم يوجد مربى الفراولة ومربى التفاح. Oui, il y a de la confiture de fraises et de la confiture de pommes. J'ai aussi un pot de miel, si tu veux. J'ai aussi un pot de miel, si tu veux. أنا أيضا لدي جرة أو وعاء أو إناء من العسل. إذا كنت تريدين. Voilà le pot. J'ai aussi un pot de miel si tu veux. Non maman, je ne veux pas de miel. Non maman, je ne veux pas de miel. لا أمي لا أريد العسل. Non maman, je ne veux pas de miel. De la confiture de pommes, c'est très bien. De la confiture de pommes,
C'est très bien. مربى التفاح جيد جدا أو هذا جيد جدا. De la confiture de pomme, c'est très bien. Est-ce que tu veux du jus de fruits? Est-ce que tu veux du jus de fruits? هل تريدين عصير الفاكهة؟ Est-ce que tu veux du jus de fruits? Oui, c'est une bonne idée. C'est bon pour la santé. Oui, c'est une bonne idée. C'est bon pour la santé. نعم إنها فكرة جيدة إنه مفيد للصحة. Oui, c'est une bonne idée. C'est bon pour la santé. Alors, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? إذن ماذا ستفعلين اليوم؟ Alors, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire au bureau. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire au bureau. اليوم لدي الكثير من الأشياء لأفعلها في المكتب. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire au bureau. Mon patron va venir des États-Unis. Mon patron va venir des États-Unis. رئيسي سيأتي أو سوف يأتي من الولايات المتحدة. Mon patron va venir des États-Unis. Nous avons une réunion importante avec notre client. Nous avons une réunion importante avec notre client. لدينا اجتماع مهم مع عميلنا. Nous avons une réunion importante avec notre client. Je suis en retard, maman. Je vais prendre une douche. Je suis en retard, maman. Je vais prendre une douche. أنا متأخرة يا أمي. سأخذ دوشاً أو سأستحم. Je suis en retard, maman. Je vais prendre une douche. Dépêche-toi, je vais préparer le petit déjeuner. Dépêche-toi, je vais préparer le petit déjeuner. أسرعي سأعد الفطور. Dépêche-toi, je vais préparer le petit déjeuner. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز وسؤال اليوم يقول من الأفضل ألا تلتقي به فهو لديه زكام أو هو مصاب بنزلة برد كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعليق بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم